9 ans après avoir disputé amplement la demi-finale de la Coupe d'Afrique de Nations sur la terre équato-guinéenne, les léopards et les éléphants vont encore s'affronter pour s'offrir une place en finale de cette 34e édition de la CAN. La Côte d'Ivoire, qui évolue actuellement sur une bonne lancée en écartant les lions de la Teranga et les aigles du Mali, sera face aux fauves congolais qui, l'histoire, est à leur avantage. À chaque fois que la République démocratique du Congo rencontre les pays organisateurs, la RDC arrive toujours en finale et élimine ces pays organisateurs. C'était le cas en 1968 avec l'Éthiopie. La République démocratique du Congo avait même gagné la coupe. C'était aussi le cas en 1974 avec l'Égypte. Après avoir éliminé l'Égypte, la RDC est allée en finale et remportée. Auteur d'un début cauchemardesque, le pays hôte livrera ce match sans plusieurs joueurs titulaires. La Côte d'Ivoire sera diminuée avec 4 joueurs au moment où la République démocratique du Congo va devoir directement récupérer Gaël Kakuta et tous les joueurs seront pratiquement là. Comme lors des récentes rencontres, certains Congolais s'abstiennent à pronostiquer au regard des surprises enregistrées. Tout de même, ils espèrent un troisième sacre 50 ans plus tard. Ça sera trop difficile parce que les deux équipes ont un mental fort. Ce sont les équipes qui, à mon avis, peuvent revenir au score à chaque fois. Nous avons vu la Côte d'Ivoire face au Mali en infériorité numérique, mais la Côte d'Ivoire a su sortir les griffes et rafler une place qualificative pour les demi-finales. Mais les Léopards de la République démocratique du Congo sont sereins et dangereux. Pourquoi pas ne pas remporter cette CAN comme nous avons remporté la première édition du CHAN en terre ivoirienne. Sur le 6 confrontations entre ces deux nations, la Côte d'Ivoire compte 3 victoires, 2 matchs nuls, 1 victoire remportée par la RDC le 15 octobre 2014 à Abidjan. On en oublierait